Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, c'est Ben et moi qui allons vous présenter le What du jour. Pour changer cette fois, c'est moi qui vais donner les explications et c'est Ben qui va vous faire la démonstration. Donc on peut accueillir Ben pour ça, il s'est vraiment investi. Coucou les lions, coucou les lionnes, vous me manquez très fort. Big bisous. Tu peux aller te mettre en place. Donc avant de commencer, il faudrait que vous fassiez de la mobilité. Si vous avez GoWod ou une autre application pour faire votre mobilité, c'est génial. Alors, ensuite, pour le warm-up, on va partir sur 1 minute de single under, suivi d'une minute de planche basse, ensuite 1 minute de single under, 1 minute de planche haute. Donc, durant la première minute, on part sur les single under. Évidemment, pour ceux qui savent le faire, vous pouvez remplacer des single under par des double under. Voilà, donc une fois que votre minute est faite, on passe sur planche basse pendant 1 minute. Quand la minute est passée, donc vous refaites 1 minute de single under ou de double under, ensuite 1 minute de planche haute. Voilà. Alors, pour le WOD, donc on va partir sur un minimum de 2 minutes. Il y aura 8 rounds à faire. Donc, c'est-à-dire que de la minute 0 à la minute 2, donc vous allez commencer par faire 5 reverse burpees. Ça va le legging, c'est confortable? C'est très sexy. Ok, alors. Ensuite, 10 tuck jumps, suivi de 15 jumping jacks. Ok, une fois que ça c'est fait, le reste de la minute, vous faites un maximum de sit-ups. Donc ça, c'est de la minute donc 0 à la minute 2. Donc une fois qu'on arrive à la minute 2, on repart sur 5 reverse burpees, 10 tuck jumps et 15 jumping jacks. Ensuite, un max de sit-up. Votre score pour ce WOD, ce sera donc le nombre total de sit-up que vous aurez effectué pendant les 8 rounds. Donc voilà, ça c'était pour notre WOD. On peut remercier mon assistant. Donc voilà, vous nous manquez super fort toujours et on espère vous revoir très très vite. J'espère que vous êtes en forme et on vous dit à bientôt!